Yeah, yeah, yeah. Hugo, oh, t'es mal euphoria. Quand j'écoutais la prod, je dirais kiffé. Mais j'avais pas de quoi, j'allais parler. Il m'a blanchi plus que le réel. Tu te demandes qui c'est, son nom c'est Jésus. Laisse-moi t'en parler. Tu t'attends sur moi, ce que je te donne un cours de théologie. Mais c'est même pas ce que je vais faire, c'est pas ce que j'ai prévu. Et je vais pas répéter des phrases clichés du genre j'étais dans le péché. Parce que c'est vu et revu. J'aimerais te parler plus en profondeur pour t'apprendre ce qu'il a fait dans ma vie et pour t'apprendre ce qu'il a fait dans la mienne. Ça fait que quelques mois que je suis en Christ, mais il a fait de moi une référence alors que je le connaissais à peine. Et même des sœurs disaient que parce que j'étais nouveau converti, j'étais pas qualifié pour diriger un ministère. Enfin, peut-être pour diriger leur ministère. Mais dans tous les cas, j'ai dirigé leur ministère. Et Dieu les a élevés à l'heure où j'écris ce texte. Elles ont pas plus de 3000 abonnés. Mais ce que je sais, c'est que ça va marcher. Je parle au futur, parce que c'est normal de parler ainsi. Dieu m'a inspiré de créer fast food. Et je lui ai promis que sa parole serait mon casse-croûte. Mais bon, combien de fois j'ai oublié de méditer. J'ai pas veillé, du coup l'ennemi m'a fait des pédigrés comme Triple H. Et c'est par grâce que je passe le péage. J'ai pris de l'âge, gros. Dans ma vie j'ai fait le ménage. Et ce que ma go sait pas, c'est que la personne à qui elle s'est confiée, je le considère même plus comme un ami. Je le vois comme un collègue pour exercer le ministère. Mais comme on est en Christ, bon, je le vois comme un frère aussi. Au final, si je le garde en fast food, c'est parce que je suis mort à moi même et je fais ce que Dieu veut seulement. À chaque fois que je me rappelle que les gens que j'aime ont craché sur mon dos, au final ça me plaît pas tellement. Mais bon, je crois que c'est ça aussi le brisement. Et après tout, dans la foi faut prendre des risques, non. Je peux pas être distant, parce que si Dieu a pardonné, faut que je pardonne. Faut que je fasse comme si de rien n'était et qu'on charbonne. On réussit, on n'est pas passé par la Sorbonne. Et c'est dommage parce que je me dis que quelque part j'ai parlé de mariage, mais on a exposé mes vices. Alors le diable m'a dit, regarde, tu penses vraiment que c'est cette fille là qui est digne d'être la mère de tes fils? J'ai dit au diable que je suis pas prêt à faire la victime. Non, je suis pas un miskin. Moi aussi j'ai fait du mal quand j'étais dans le monde. Mais faut que j'arrête de dire ça, car c'était du passé. Et le passé c'est passé. Alors oui, je trompais, oui j'étais infidèle. Et sûrement qu'il y a des meufs qui vont continuer à parler sur moi. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a blanchi. Avant je portais trop de péchés, je me rappelle j'étais en surpoids. Allez, dites-moi, vous allez parler sur quoi? De mon passé? Non, c'est pas une surprise. À part de moi, vous allez parler sur qui? Dieu me protège et sur mon nom on peut plus surfer. Et j'ai appris un truc grâce à mes fautes. J'ai beaucoup d'amour pour ma go et aussi pour mes potes, c'est vrai. Mais ils ont tellement de défauts et j'en ai aussi. Mince, ils ont tellement de défauts, mais j'en ai aussi. Et c'est pour cette raison que j'abandonnerai jamais Jésus. Car voici le blase de celui qui m'a jamais déçu. Car que ce soit ma mère, mes danseuses, mes frères, ma meuf, au moins une fois, ils m'ont tous déjà craché dessus. En écoutant ce texte, t'as l'impression que je suis bossu. J'essaie de me libérer, de témoigner, il faut que je bosse. Dieu le Père qui n'a jamais abandonné ses gosses. Laisse-moi te témoigner, y'a combien de mecs sur Twitter qui m'ont souhaité l'échec. Mon manager m'a saigné en pensant que j'allais ramener des chèques. Au final, j'étais paumé, mais bon. Même quand j'ai donné ma vie à Dieu, il est resté près de moi. Et pourtant, il est pas en Christ. Mais en rappant ce texte, je me rappelle d'une chose. C'est que pour lui, il faut que je prie. Seigneur, entends mon cœur qui crie. Je me demande comment tu fais, Jésus, pour oublier les péchés. Je me demande comment tu fais pour enrichir les fauchés. Alors s'il te plaît, permets-moi de me rapprocher. Parce que j'ai du mal à faire comme toi. Pourquoi j'ai du mal à oublier qu'on m'a blessé? Dis-moi pourquoi j'ai du mal à oublier qu'on m'a vexé. Pourtant je connais toutes les paraboles dans Matthieu. Je condamne les gens mais j'arrive pas à faire mieux. Mince, j'ai l'impression que je m'enferme, Jésus. J'ai l'impression que ma souffrance est interne. Je suis rancunier, Jésus. Il faut que je te dise les termes. S'il te plaît, sauve-moi avant que je me perde. Oh Seigneur, pourquoi j'ai plus envie de me marier? Pourquoi tout d'un coup j'ai envie de finir seul? C'est sûrement la rancune qui me fait parler. Pourquoi le vieil homme veut pas rester dans le cercueil? Oh Seigneur, s'il te plaît, sois le seul semeur. Pardonne-moi de pas avoir gardé mon cœur. Oh Seigneur, éloigne-moi des moqueurs. Oh Seigneur, sans toi j'ai tellement peur. Oh Seigneur, je rappe ce texte et je pleure. Voici le témoignage d'un homme qui a très mal au cœur. Après avoir écouté ce texte, les membres de Fast Food viendront me voir en me demandant des explications. Mais bon, comment leur expliquer que j'avais besoin de parler? Du coup, je suis passé à l'action. Oh mon Dieu.